Mais la vraie version dit ici dans Psaume 40, verset 6 à 7. Oh, Loba! Oh. Tu n'as jamais désiré ni sacrifice, ni offrande, virgule, car un sacrifice animal et offrande de fruits sont des abominations. Tu me l'as fait comprendre par ton mundi, parce que Loba ne parle pas à un homme. Mais il va parler, c'est pas un homme déjà. Donc, tu m'as fait comprendre par ton mundi, donc esprit, et ensuite par ton verbe, virgule. Tu as permis que je sois formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Tu n'as jamais désiré ni holocauste, ni victime expiatoire, ni sacrifice de sang pour le péché. Il y a quoi? Alors le verbe a dit, deux points, écoutez attentivement la révélation. Alors le verbe a dit, me voici, je viens spirituellement dans les rouleaux connus afin d'illuminer ceux connus du peuple originel qui doivent être illuminés. Maintenant, c'est pour ça qu'ils vont prendre dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4 ou à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qu'elle a été fait sans elle, elle était la lumière. Bon, bref, toutes ces histoires-là, jusqu'à arriver en disant que la parole a été faite chair. Donc, c'est de ça dont faisait allusion dans le livre des Psaumes de la Bible, la Bible classique, n'importe quoi. Dans la parole de Dieu meurt. Non? Dans la parole meurt. Vu que la parole a été faite chair, qu'on vous dit c'est Jésus. Dans la parole de Dieu meurt. La parole de Dieu est limitée. Alors, le verbe a dit, me voici, je viens spirituellement dans le rouleau connu, afin d'illuminer ceux connus du peuple originel qui doivent être illuminés. Donc, le verbe vient dans le rouleau en tant qu'écrit, en tant qu'inspiration, en tant que prophétie. Vous comprenez? Le verbe vient comment? Quand le verbe vient, ça veut dire qu'il va inspirer les prophètes, il va inspirer les initiés. Et dans la suite, on relate cela. C'est en cela où on dit le verbe vient dans le rouleau. C'est ce que les auteurs des Bibles n'arrivent pas à comprendre. Et d'aller, ce qu'on va appeler Pierre, a compris cela. C'est pour ça qu'il dit dans Pierre, chapitre 1, verset 123 à 124, toujours dans la Bible. Et maintenant, tenons pour vrai la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est sous l'inspiration du Mundi que des hommes connus par le grand temps des choses, du peuple originel, c'est-à-dire les Noirs, ont parlé de la part du verbe de Loba. Est-ce que vous comprenez?